Bon, bah, du Ouais. coup, merci beaucoup. Franchement, ça me fait grave plaisir que vous ayez accepté de passer un petit peu de temps avec moi. En fait, la raison pour laquelle je voulais faire cette mini interview, c'est parce qu'il y a plein, plein, plein de personnes qui me contactent pour partir en Australie, pour prendre des cours d'anglais, pour savoir comment trouver du travail, etc., etc. Bah voilà, je trouvais ça super sympa que vous soyez partis entre copains en Australie, qui en plus vous avez décidé de prendre des cours d'anglais. Et franchement, sans le savoir, je pense que vous allez aider pas mal de personnes à travers votre témoignage. Donc merci beaucoup. Salut Marceau, salut Lucas, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, la forme. Marceau, tu vas bien, la forme? Ça va, très bien, Bien merci. arrivé à Sydney? Nickel. Bon, du coup, dans quelle ville et quand êtes-vous arrivé exactement? Bah, du coup, on est arrivé le 15 février à Sydney. Parfait. Comment se sont passées vos premières semaines, en quelques mots, Marceau, si tu peux nous répondre, la recherche du logement, le travail, les papiers? Alors, pour commencer, la toute première semaine, on a été en auberge, donc de jeunesse. On a eu la chance auparavant de rencontrer des Français dans notre région. Donc, on s'est retrouvé dans la même auberge qu'eux. Et ensuite, on a commencé à chercher une colocation sur le site de Flatmates. Et ça a été assez rapide à trouver. Enfin, on n'a pas eu de mal. Direct, on prend contact avec. Et le lendemain, on avait une visite, je crois. Ouais, du jour au lendemain, tu peux avoir une visite. C'est Franchement, c'est direct. Ils attendent pas. C'est ça qui est cool. plus facile qu'en France quand même, non? Ouais, large. Ouais. Ouais, puis il n'y a pas toutes les paperasses. Ouais, C'est c'est ça. vrai. Et d'ailleurs, au niveau des paperasses, quelle a été la première chose que vous avez fait? Vous êtes allé à la banque? Vous avez pris une carte SIM? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, Ouais, vas-y, comme tu veux, enchaîne. bah, pas, on avait quand même on avait pris contact avec une autre personne sur Instagram, pareil sur Australie, qui nous avait. On a pris un pack en fait. Ouais. Petit stop sur la vidéo. Vous pouvez, en passant, retrouver tous nos packs sur notre site internet, grâce auquel votre arrivée en Australie se passera comme une lettre à la poste. Donc, dans ce pack, on avait notre carte SIM, un rendez-vous à la banque, on avait notre TFN aussi, notre superannuation. Donc, nous, c'était cool pour l'instant. Donc, on avait juste notre date pour aller à notre rendez-vous à la banque. Après, elle s'occupait de tout. Ça a été vachement pratique, non? Donc, c'était cool, ouais. On avait juste allé à la banque. La banque, après, ils ont fait tous nos papiers pour notre CB et puis. Puis tout le reste, et puis notre superannuation et notre TFN, c'est venu après. Vous l'avez déjà reçu, le TFN, ou pas? Ouais, une fois on y est arrivé. 10 jours. Ouais, 10 jours après qu'on soit arrivé en Australie, ouais. Parfait. Donc, votre arrivée s'est plutôt bien passée, du coup. Ouais, franchement, c'était Oui. cool, ouais. C'était facile et cool. Bon, super. Pas de galère en particulier pour le moment? Non, pour Non. l'instant, c'est cool. Tout se passe On bien. croise les doigts. On croise les doigts pour que ça continue. Ouais, moi aussi, je croise les doigts pour vous. Et au niveau du boulot, vous en êtes où dans les recherches? Et ben, du coup, Lucas, lui, il a commencé il y a 2 semaines. Et moi, j'ai eu aujourd'hui un essai et j'ai du travail pour ce week-end. Ah, c'est bien, Et trop bien, félicitations. ouais, Ouais, c'est franchement, je pense que c'est super facile à trouver. Franchement, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de demandes. Moi, je sais que quand on a postulé en même temps, j'ai eu vraiment pas mal de retours de restaurants ou quoi qui voulaient me faire passer des essais. Bon, moi, du coup, j'en ai choisi un et puis j'y suis resté. Et puis, franchement, il y a pas mal de retours. Donc là, il a fait un essai, donc il est pris, c'est cool. Mais franchement, niveau travail, franchement, n'y a pas de souci à se faire. Franchement, on trouve tout, même sans expérience ou quoi, il y a moyen de trouver. Et au niveau du salaire, du coup, tu touches combien de l'heure? Moi, je suis sur un part-time, moi, Ouais. à 28 $ de l'heure. Donc, du coup, vu que je suis en part-time, même le week-end, j'ai les mêmes. Je touche quand même 28 $ de l'heure. J'ai OK. pas de plus ou quoi. Vu que je suis dans un. Par contre, je suis dans un resto qui est un peu gastro, on va dire.
qui a un peu fait mousse ici. Donc, j'ai des bons tips aussi. Donc, qui va Attends, avec. je te coupe parce que les tips, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ce sont des Les tips, pourboires. on va dire, c'est les pourboires, ouais. Donc, nous, c'est divisé en fait à la semaine, c'est divisé par rapport, on va dire, à l'ancienneté, aux heures que tu fais et tout. Mais même pour moi, qui la première semaine n'est pas fait non plus, j'ai fait un petit 30 heures. Franchement, j'ai touché pas mal, enfin, j'ai touché à ce qu'il fallait en tips. Donc, franchement, ouais, pour moi, je suis bien dans mon Content. resto. Ok. Franchement, c'est cool. Ouais. Même des restos comme ça, c'est assez facile à trouver. Il y en a vraiment partout si tu postules. Si tu as envie, franchement, il y a moyen de trouver. Super. Et toi, Marceau, tu sais déjà combien tu vas toucher? Alors, moi, c'est plus le contrat, je ne sais pas encore. Je pense que je le saurai vendredi lors de mon premier jour. Et elle m'a expliqué qu'en gros, du coup, en semaine, c'était 21 $ l'heure, le samedi 26 et le dimanche 30. Ok. Ouais, Voilà. on est bien aussi. Ok, bah félicitations en tout cas, c'est cool, ça a été en un mois, tous les deux vous avez du taf, c'est parfait. Ouais, franchement, en ce moment, ils cherchent de partout, franchement. Après, je sais que même moi, au début, j'ai eu un entretien. Ils voulaient me payer 21 $. J'ai fait un peu la fine bouche. Je lui ai dit non, ça ne va pas être possible. Puis, du coup, j'ai trouvé mieux, donc je suis content. Ouais. Mais on peut trouver tout. Enfin, franchement, ils cherchent, donc tu trouves facilement. Après, pour revenir sur le fait que ce soit rapide, on ne s'y est pas du tout penché les 2, 3 premières semaines. Non, les deux, On trois sait. premières semaines, Ouais. on a. Enfin, les. Bonne 2 semaines et demie, les bonnes 2 premières semaines et demie. Franchement, on a visité, on a kiffé, on a pris du temps pour nous. Et puis, d'un coup, on s'est dit, allez, go. Et puis, en 3, 4 jours, En 3 semaines. franchement, ouais. Trois grosses semaines, on a trouvé tous les deux du travail. Ouais, ça vient vite. Et voilà. Ouais, c'est ça aussi parce que c'est bien d'arriver, de prendre du temps pour se remettre du décalage horaire. D'ailleurs, ça a été le décalage horaire? Moi, j'ai bien dormi, personnellement. Et Non, toi, Marceau? moi, ça a été, je suis habitué au décalage horaire, ça va. Ah bon? Ok, parce que moi c'était très compliqué de me remettre dans le bain. Et mais non, mais c'est bien d'arriver, de se poser un peu, de visiter la ville, de visiter les Ah ouais. quartiers, de voir quel quartier te plaît plus que, enfin s'il y en a un qui te plaît plus qu'un autre, de prendre du temps pour trouver un logement, etc. Donc vous avez bien fait. Moi c'est ce que j'ai fait aussi en tout cas. Ouais, on a visité, on a pris nos marques et puis une fois qu'on sentait bien, on s'est dit, allez, go, on va commencer à trouver du boulot et puis voilà. Exactement. En gros, Super. on Alors. a vraiment ah. Non, vas-y, vas-y. On a fait en étape en fait, on s'est trouvé le logement et une fois qu'on est installé, on a commencé à trouver du travail, C'est enfin à ça. chercher. C'est ça. Du coup, alors vous étudiez l'anglais aussi parce que le but c'est de partir en Australie, mais pour améliorer son anglais. Alors dans quelle école est-ce que vous étudiez? Bon, du coup, on a l'International House Ok. dans Et le centre, dans le à Sydney. centre-ville? Ouais. Vous êtes situé où dans le centre-ville? C'est le numéro, je ne sais plus, mais c'est 205, Clarence Street. 205 Clarence Street. Clarence Street, ouais. Donc vous n'êtes pas très loin de Town Hall. Enfin, vous êtes vraiment dans le cœur de Sydney, quoi. On est à 2 minutes à pied de Town Hall, du centre, vraiment du centre de Sydney. Ouais. Ok. Et pour combien de temps? Alors, nous, on a pris pour 8 mois Non, et 8 semaines. 8 semaines, pardon. 8 mois de cours Et d'anglais. du Ça fait coup, pour le beaucoup. moment, on a fait 2 semaines et demie, parce On est qu'on est sur la neuvième semaine. troisième, là. Voilà, On est on est sur dans la notre troisième troisième. semaine. Même en visio, franchement, les cours sont super cool. Les profs aussi, franchement, tous les profs que j'ai eus sont super cool. Ça change vraiment beaucoup de la France, où tu peux plus interagir avec les profs t'écoutent bien. Franchement, ce n'est pas des grandes classes de 20, on est au max 10. Franchement, si tu as besoin d'une question, d'une réponse, enfin, si tu as besoin d'aide, franchement, le prof, il est là pour t'aider. Et pour moi, personnellement, ouais, ça commence à m'aider parce qu'en cours d'anglais, c'était pas là où j'écoutais le plus en France. Et même de revenir peut-être sur certaines bases au niveau de la grammaire ou de la conjugaison, franchement, ça aide beaucoup. Et même maintenant, du coup, pour parler, que ce soit au boulot ou même en extérieur avec les gens qu'on rencontre, franchement, ça aide. Et pour moi, franchement, pour l'instant, c'est super cool. C'est de 8 h à 12h15. Donc franchement, 4 heures avec on a une pause de un quart d'heure au milieu. Franchement, c'est relax. Et une fois que si tu es intéressé et que tu te mets dedans, c'est vraiment cool. Et quand tu as cours dans le campus, l'école est sympa, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Non, pas du tout. Parce que du coup, en fait, on va dire, c'est un bâtiment, un immeuble au milieu de tout.
C'est pas, ça se voit juste quand tu es dans la rue. C'est des petites salles de classe, en fait, de 15, ouais, 15 max personnes. Mais c'est, je pense que c'est ce qui est le mieux, du coup, pour apprendre. Si tu as des questions ou quoi. Et puis, on fait des exercices. Souvent, on se mélange. On se mélange pour participer avec les autres, du coup, pour parler anglais. Franchement, on ne fait que parler anglais. Tu n'as pas le droit de parler de façon autre chose. Et c'est cool, ouais, quand tu peux que parler anglais, ça te force à te débrouiller. Et puis, ouais, franchement, c'est cool. Et t'as cours du lundi au vendredi? Ouais, c'est ça, du lundi au vendredi. Ok, ça marche. Et toi, Marceau, du coup, comment ça se passe une journée type? Et ben, moi, c'est un peu pareil. Enfin, j'ai le même point de vue que Lucas. Juste, du coup, moi, je suis le niveau en dessous. Parce que Ok. moi, je suis rentré dans une classe où c'était vraiment les bases. Et du coup, au vu du nombre qu'on était, par exemple, cette semaine, ils nous ont fait changer, ils ont fait séparer la classe en deux. Et par exemple, là, actuellement, je suis dans une classe, on est seulement quatre. Mais en gros, genre, on est les quatre qui étaient au-dessus du lot. Donc, du coup, en D'accord. fait, c'est tellement plus sympa à vivre. En gros, on est cinq avec la prof et vraiment, on a l'impression de bien échanger, tout ça. Et franchement, pour apprendre, c'est bien, beaucoup mieux que oui, des cours en France. En France, c'est vraiment du basique. Pour le même prix ou t'as dû payer extra le fait de... Non, pour le même prix. Et puis, Demande. même moi, je sais que par exemple, hier, quand j'étais en cours, le directeur est passé dans notre classe et nous a proposé, je crois que c'est des cours du soir, du mardi au jeudi. Et il me semble que c'est pareil, c'était 3-4 heures et c'était gratuit, plus de ce qu'on a payé, parce que c'était des profs. En fait, qui nous faisait cours, mais qui apprenait aussi, en fait, qui était en formation pour apprendre à faire cours en anglais. Et du coup, bah, je pense que ça peut nous aider en plus. Donc, c'était 3 ou 4 heures, ouais, du coup, le soir en plus. Après, moi, je sais que je ne pouvais pas parce que du coup, bah, je travaille. Mais pour ceux qui peuvent, ça peut être cool. En plus, c'est gratuit. Les profs, en même temps, s'entraident. Bien sûr. Mais je pense que, franchement, ouais, ils proposent pas mal de choses. Franchement, c'est super cool. Bon, bah super. Vous avez finalement répondu déjà à ma question d'après qui était qu'en pensez-vous? Êtes-vous satisfait? Avez-vous fait des progrès? J'imagine que du coup, vous êtes satisfait pour le moment? Ouais, franchement, moi, je suis satisfait. Je pense que j'ai pas mal appris en plus. Tu dirais que tu as Ouais, déjà progressé? Tu sens déjà que tu as progressé ou c'est encore trop tôt pour le dire? non, moi, je pense que j'ai déjà progressé parce que j'avais mes bases de France, mais comme je disais, j'écoutais pas trop et je pense que j'avais besoin de révision sur quelques points. Et ces points, du coup, on les avait tout de suite. Et du coup, bah, vu que je vois des choses. Ça t'apporte beaucoup plus dans la vie réelle, du coup, pour des échanges, que ce soit au boulot ou à l'extérieur avec les personnes anglophones que tu rencontres, quoi. Et toi, Marceau, tu trouves que tu as déjà progressé ou pareil, c'est un peu trop tôt pour le dire? Alors, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce que moi, je suis vraiment un peu parti de zéro en Oui. anglais. Et franchement, au début, quand on est arrivé en Australie, j'avais beaucoup de mal à m'y faire à l'anglais. Parce qu'on est habitué au français. Mais là, franchement, ouais, ça fait 2 semaines et demie et je sens, enfin, je trouve plus agréable de parler en anglais avec la prof. Et franchement, ça va, ouais, je pense que sur les Ton... prochaines semaines, ça risque Plus d'être un sympa. bon. En fait, ton oreille commence à s'habituer, je pense. Oui. Ouais, moi j'ai eu le même problème. Hein. Et l'accent, est-ce que vous trouvez que leur accent est. Enfin, l'accent australien, est-ce que vous trouvez qu'il est prononcé ou ça va, vous n'en avez pas encore. Catastrophique, je dirais, moi. Catastrophique parce qu'il coupe beaucoup de mots, en fait. Donc, toi, tu t'attends à entendre quelque chose, mais en fait, c'est ce que tu t'attends à entendre, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, vu qu'il coupe beaucoup de mots, bah, tu ne comprends pas souvent. Donc, compliqué, mais il ne faut pas hésiter à faire répéter. Moi, je sais qu'au boulot, j'hésite pas à faire répéter. Et puis, ils arrivent à ne plus couper les mots. Et ouais, là, ça devient un peu plus facile. Mais Et sinon, ouais. crois-moi, tu seras fier quand tu pourras, toi aussi, Couper les atteindre ce niveau et couper les mots. Tu te diras, ça y est, je suis dans la team moi aussi. mots. C'est ça, j'espère. Et du coup, si je vous dis a Barbie, c'est quoi un Barbie pour vous? Barbecue. Ouais! Il y a pas mal de diminutifs, on va dire, comme en France.
faut juste savoir s'y faire et puis après ça ira mieux. Et un deuxième, si je vous dis good arvo. Là, ça va. Good arvo, ça veut dire arvo, c'est afternoon pour eux en fait. Ok. Ok. Donc voilà, vous aurez peut-être l'occasion de le placer un de ces quatre. quelle activité extrascolaire sont proposées par l'école? Est-ce que malgré le Covid, ils proposent quand même des activités extrascolaires pour le moment? Alors, nous, on n'a pas eu la chance, enfin, pour le moment, du moins, moi, je n'ai pas eu la chance d'en entendre parler. Ouais. Mais je sais qu'en échangeant avec quelques personnes de ma classe, ils ont eu des activités avec le casque, la VR. La VR. Et des fois, ils s'organisent des petites visites, style le musée des arts ou autre. Oui, je sais que parfois, les écoles organisent des barbecues, justement, ou alors des surf camps. Une journée surf ou visite de la ville, etc. Mais avec le Covid, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je pense que pas du tout. Moi, je n'ai pas entendu parler dans ma classe. Ouais, mais je pense que ça a dû être. Ça a peut-être dû être en pause pour un moment. Et la dernière question, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui hésitent à prendre des cours d'anglais en Australie? Ne pas hésiter. Franchement, ça peut être que du plus. Même si les personnes peut-être ont peur d'être dans un niveau au-dessus ou au-dessous, ne pas hésiter parce que dans tous les cas, avant, on a un questionnaire, on a un petit test pour analyser un peu notre niveau. Donc, dans tous les cas, on sera dans un niveau qui nous convient avec les personnes qui ont à peu près le même niveau. Donc, c'est cool. Dans tous les cas, ce sera tout bénef. Parce qu'on ne fait que de parler anglais, on se mélange aux autres. Donc, ça nous force à parler anglais. Et puis, on revoit tous les bases. Franchement, les bases, c'est ce qu'il y a de plus important, franchement, à voir. Et même, j'ai déjà dit, pour moi, franchement, même certaines bases en grammaire ou en conjugaison, ça m'a apporté pour maintenant la vie de tous les jours. Franchement, moi, je ne regrette pas. Pour l'instant, c'est cool. OK. Idem, Marceau, pour toi? Oui. Et juste question qui n'était pas prévue, mais dans votre classe, vous avez quelles sont les nationalités que vous avez? Alors, le plus qu'on a, alors lui, ça va être des Turcs. Ah bon? Beaucoup de... ouais, lui, il a beaucoup de Turcs, ouais. Ouais. J'ai un peu de tout. J'ai Turc, Brésilien, Thaïlandais. Moi, j'ai beaucoup de Thaïlandais. Moi, là, trois quarts de ma classe, c'est des Thaïlandais. Français. On est deux Français. Moi, je suis le seul Français dans ma classe, ouais. Comment s'appelle la personne française dans ta classe? Lucas. Mais c'est pas Lucas. Mais il vient de Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. Et c'est ça qui est bien aussi, en fait. On s'en rend pas compte là. Je pense que tu t'en rends pas compte dans l'immédiat. Mais par la suite, ça va être une force pour toi parce que tu vas capter plein d'accents différents et ton oreille va s'habituer, en fait. Ça sera... Ça va prendre peut-être un peu plus de temps de franchir un palier, mais en tout cas, tu vas comprendre plein d'accents. Et maintenant, tu sais, des fois, je peux me dire, cette personne-là, je suis sûre, elle vient de tel pays, ou je sais dire si elle est thaïlandaise ou japonaise ou chinoise, grâce aux gens que j'ai rencontrés en Australie. C'est ça, et même nous, moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, que ce soit dans la rue ou même une fois en boîte, qu'on parle entre nous français ou même que je parle avec quelqu'un en anglais, qui me disent « mais t'es français ?» Je dis « bah oui ». En fait, notre accent, il se détecte tout de suite. Donc, franchement, à force, même toi, même nous, on va reconnaître un peu leur accent, que ce soit des Australiens, des Anglais ou des Thaïlandais ou des Turcs. Franchement, ça, c'est cool aussi. Ouais. Bah, super. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. What a wonderful world.